Bienvenue, on est reparti pour plus de Languedoc. Il doit faire bon, j'espère en tout cas. On a une peau d'un géant à récupérer. On va laisser ça là. On a la peau d'un géant. Ah, il fait pas très chaud non plus. Peau d'un géant et on doit aller se balader aussi, parce qu'on a des nouveaux endroits qu'on a vus sur la carte. Donc ça serait plutôt sympa de pouvoir y aller. Donc ouais. La dernière fois, on a complètement one shot headshot un ours. Ah, il fait quand même très très froid. On va avoir des problèmes. Il fait combien? Moins 16. Moins 16, c'est énorme. Il nous faudrait un peu plus de bois à la limite et on peut faire un feu à côté de l'ours. Ça fait longtemps. Ça va être la première fois, je crois, qu'on fait ça. Qu'on doit littéralement faire un feu à côté d'une carcasse, en fait, pour se tenir au chaud. Donc, je sais pas si ça empire ou pas, le temps. Mais ouais, c'est un peu chiant. On a eu une tempête, je crois bien, la dernière fois. On devrait avoir plein de bois par terre. On devrait avoir plein de petits bois par terre. Et j'en vois pas énormément, honnêtement. Aïe, 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 aïe. À 16 degrés, c'est... Enfin, moins 16, on a 1 degré par petit bois. Si je dis pas de bêtises. Donc, il nous en faut, allez, une vingtaine pour être large. Et on devrait être bon. Après, il nous faut pas longtemps, hein, mais il nous faut de la chaleur, quoi. Comme ça, on peut faire aussi cuire des... un peu de thé. Comme ça, on sera bon. Alors, je sais pas ce qu'on va faire exactement. Où est-ce qu'on va aller après ça. Je sais qu'on avait vu une maison là-bas. Oh non, me dis pas qu'on va avoir une tempête. Me dis pas ça. Non, 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 non. Non, 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 non. Sans déconner, pas de vent. Je déteste déjà assez cette zone. Ok. Je pense qu'on est bon. Ok, on est bon, on est bon, on est bon, on est bon, on est bon. On est bon. Toi, reste là. On a du vent. On entend du vent, ça veut pas dire qu'il y a du vent. Ça c'est tout le charme de Hinterland aussi. One little fire. Ça c'est le charme de Hinterland. Oh. Damn it. Allez, go go go. Parce que je sens que le vent va se lever, donc je voudrais bien ne... À la limite qu'on arrive à faire bouillir des thés. Comme ça on aura les bonus de chaleur et tout ça et on peut récupérer... la peau. Perfect. Ok, très bien. Quand tu veux, tu montes au niveau 3 aussi, au passage. Quand tu veux. On va faire des nouveaux. Ouais, non, c'est pas assez. Mais bon.
Yeah, let's go. 27, 36. Très bien. Qu'est-ce qu'on fait? Donc nous on était... Alors attendez, nous on est là. On vient de descendre, on doit être par là, avec la route. Donc on a vu qu'il y avait une maison ici, maisonnette de Lille. Est-ce que ça vaut le coup d'y aller? Alors maisonnette de Lille, putain mais c'est où? C'est là-bas je crois. Dans ce coin-là. je voudrais bien manger de l'ours, mais ça va nous servir à rien. Ça va être dangereux même. Ça va même être dangereux. Les boyaux. On peut prendre un boyau à la limite. J'en sais rien en fait. Je sais pas quoi faire. Quoi? Ah, j'ai pas d'eau. C'est chiant ça aussi. Ça nous fait toujours de l'expérience pour les carcasses, à la limite. Hop, eau non potable, 10 minutes. On a combien? 27. On a un fétou là-bas, mais on va le laisser parce que... J'en sais rien en fait. J'en sais rien. Pourquoi pas? On n'en a pas vraiment besoin, honnêtement. On va boire ça. Ramasser. Ramasser. Donc on va aller vers la glace. Ok, go. Go. On a un beau temps de merde, c'est bien. On va faire ligne droite. Donc il nous refaut du bois, parce qu'on n'a plus rien. Il nous faut... Toujours de la viande, enfin de la viande, des calories. Parce que là, en fait, on essaye de survivre avec le peu qu'on a. On a des massettes à la limite. Pour un peu mieux gérer ça. Donc ça va. Ah voilà, c'est là. Là, on voit la cabane sur le lac. J'ai cru voir un cerf. Bon, on a vu qu'il y avait une maison, donc on peut sur... C'est 100%, on peut s'abriter et tout ça, donc ça c'est bien. Ça c'est certain au moins. J'avoue que c'est bête de pas avoir le fétou, hein, mais bon. J'ai vu un cerf, je crois bien. Donc là, il y aurait une maison. Ah, on la voit, je crois. Juste en plein milieu des deux arbres, là. Je crois que ça doit être ça. Donc, si la maison est cool, on peut peut-être rester là un petit moment. Et il nous faudra un atelier dans cette maison, honnêtement. S'il y a un atelier, je vais, j'arrête de me plaindre. C'est chaud, hein. C'est chaud, hein. Moi qui arrête de me plaindre. Oula. C'est compliqué, hein. Mais ouais, non. S'il y a une maison, s'il y a un atelier dans la maison, j'arrête de me plaindre. Donc là, on a un cerf. On peut pêcher aussi, du coup.
J'ai vu où le cerf. Il était par là. Merde, je sais plus. Bon, maintenant, la question à 3 milliards. Est-ce que ça, ça casse ou pas? Ça a l'air d'être solide ici. Ça a l'air d'être solide. Par contre, me dis pas qu'il faut une corde pour aller à la maison quand même. On avait vu qu'il y avait... Ah oui, oui. Ah, attendez, on va peut-être faire ça d'abord. Attendez, on a aussi le truc à boire. Parce que je commence à avoir... à être froid. Il était où le cerf? Ah, là-bas, je crois. Donc, on a ça à voir. Et après, on a là-bas, normalement, il y a une sorte de dilo. Où il y aura un cadavre. À visiter. Sérieux, il faut le thermos, quoi. Pour les lieux comme ça, il faut absolument un thermos. Un truc qui tient au chaud. Les liquides. Ça serait tellement fun. Tellement plus intéressant de jouer comme ça. Puis en plus, tout ce qui est... tout ce qui est thé, ça serait vachement bien. Parce que ça serait très utile, du coup. Là, ça justifierait complètement, en fait, la... le fait d'aller... le fait d'aller farmer du thé, en fait. Pour en avoir des masses et mettre tout ça dans le thermos. Et après, si jamais ils font le truc où... Ah, le thermos, vous pouvez mettre que du café. Alors là... Alors là, je les insulte. Je vais être honnête, là, je les insulte. Parce que le café, c'est méga rare. Et puis en plus, boire du café chaud, bon, c'est bien. Je sais, je crois qu'on a le... Oui, on aura le... Oh ! Yes ! Bon, par contre, il risque de nous foutre dans la merde, lui. On a une... un élan ? Ah ! Yes ! Yes, yes, yes. Bon, on va d'abord faire campage à la maison, là. Parce qu'il faut trouver le moyen de monter. Par contre, il faut faire attention à ça. On a un élan juste là. Ah ben voilà, là c'est bon. Là, ça... Alors, attendez. On va regarder ça. Est-ce que... Par là, peut-être. M'étonnerait, honnêtement. Voilà, là c'est bien, là. Toi, tu vas finir en roast beef. Non. Non, roast beef, c'est débile ce que je viens de dire. Tu vas finir en... Ouais, tu vas finir dans la poêle, quoi. C'est comme ça qu'on monte? M'étonnerait. M'étonnerait qu'on monte comme ça. On va faire le tour, on va faire le tour. Parce que j'ai pas trop envie de passer devant, parce que lui, s'il me charge, il va me péter les côtes et tout ça, je vais faire la gueule encore. Non, mais en plus, ça serait horrible de boire du café, en fait. Tout le temps. Ça voudrait dire qu'on resterait éveillé super longtemps. Rester éveillé super longtemps, c'est super dangereux, en fait. Pour la vie. Parce que pour récupérer de la vie, il faut dormir. Et si on peut pas dormir, c'est la merde. Alors attendez, qu'est-ce qu'elle dit la carte là? Ok. Est-ce qu'on peut aller là par là? Après, il y avait un... Il y avait un bateau échoué. On a des massettes. Alors, on a possiblement trouvé un super endroit et c'est la merde pour monter, quoi. Évidemment. Ah, je... Ah, cette zone, hein. Ah, peut-être que là, ça monte petit à petit.
Ça serait bien. Et normalement, on a vu des lapins aussi. C'est une zone à lapins et il faut qu'on... Absolument qu'on... Qu'on se soigne. Ouais, ok, on est bon. Et en plus, on a un super endroit pour l'attaquer. Hein. On peut être... élevé, en hauteur élevée. Bon, lapin là. Elle est où la maison? Elle était plus celle là, hein, je crois. Peut-être que je peux faire durer un feu. Si j'arrive à trouver plein de bois là. Ce serait bien. Mais ouais, honnêtement, si on donne un thermos, normalement on peut mettre n'importe quel liquide chaud. Ça serait vraiment, 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 vraiment cool. J'attends absolument ce... Cette mécanique, en fait. Pas un endroit pour faire du feu là-dedans. Un baril, peut-être. Que dalle. Que dalle. Mais rien du tout, c'est bien. Normalement, avec ce feu-là, on devrait être niveau 3. Enfin, j'espère, en tout cas. Come on, little fire. Feels like night is coming. Parce que je voudrais récupérer les lapins et les faire cuire directement, donc autant... Yes. Ah, très bien. Alors, on est niveau 3. Autant ne pas utiliser d'allumettes. Ah merde, putain, mais c'est pas un intérieur encore. Oh la vache, c'est chiant ça. Alors, ça. Tac, tac, tac. Très bien. Alors, on fait voir un peu. On est niveau 3, donc. Allumage de feu. 65%, feu dure 10%. Plus besoin de petits bois pour l'allumage. Yay. Besoin de petits bois, donc ça, ça, très bien. Réserve d'eau, très bien, un litre. Ah, pardon, je voulais pas mettre pause. J'essaierai de... Ah, il y a du lapin cru. Oh, lucky day. Ouais, lucky, ouais vachement. Désolé. J'aime pas mettre pause dans le jeu par erreur comme ça. La plupart du temps j'essaye de le couper mais là... là j'étais trop rapide. Désolé. Ça, on s'en fout, on s'en fout. Un bras zéro. Ça c'est bien. Bon bah du coup on va camper ici pendant un petit moment parce que ça a l'air potable comme lieu. Il y a du tissu, il y a un lit. Ça a l'air très très potable et il y a le machin là. L'élan. Photo instantanée. Encore ? Lugubre, désolé, sublime. Un souvenir un souvenir jeu que... Quoi ? Il y a une tâche. Oh mon dieu, t'es sérieux quoi, faut aller là-bas maintenant. Ah le truc relou quoi. Ah le machin relou. Ah c'est pas chiant du tout, c'est bien. Donc alors, là y a rien. Enfin un peu sombre mais on va se débrouiller. Par contre là du coup c'est cool. On peut aller en haut ou pas? Non. On entend le feu comme si on était à côté. Alors qu'on n'est pas du tout à côté. Hein. Attends, pourquoi j'ai encore... Ah oui, c'est vrai que j'ai ça. Non, on n'est pas du tout à côté. Hein. On est loin quand même. Bon, il y a encore des barils. Ok, ça marche.
30 minutes. On va faire le tour. Enfin, on va faire le tour. Non, non, on va voir si on peut pas récupérer des lapins. Elle a déjà froid, quoi. Il fait super froid en ce moment. J'espère que ça va pas durer. C'est pas la joie en plus niveau bois, encore une fois. On est loin du plein de bois partout. Hein. On est très très loin de ça quand même. Hein. On a des gros bois. Ici, à la limite, c'est pas mal. Ouais, bon. Pas de cailloux non plus. J'aime pas le fait que notre vie soit aussi basse. Ok, on remonte. On remonte. Attends, peut-être que là. Ok, ça va. Je vais voir le. D'accord, ça. Mauvais état, super. Qu'est-ce que je voulais faire? 8 minutes, ok, ça marche. Lapin, là. Je suis sûr que les lapins avant ils étaient là-dedans, les carcasses là, non? Ils étaient pas dans les zoos. Enfin non, 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 ça n'a pas de sens. Non, désolé. Je sais pas. Dans ma tête c'était en bas, c'était pas dans le même onglet, je sais pas pourquoi. Ok, ça c'était un gros lapin, ça c'est bien. Cuit moisi. Ça fait un peu peur, parce que si on peut tomber malade. On peut tomber malade, donc on va peut-être le laisser comme ça. Encore une heure, 10 minutes. On va dormir. On va dormir pour récupérer de la vie. J'avoue qu'un fœtus serait le bienvenu. On va dormir, essayer de récupérer le plus de viande possible. De vie possible, pardon. Ça, on prendra ça quand on sera au maximum, au niveau 5. Oh, stomach. Oh putain. Je pensais qu'on pouvait pas tomber malade de ça. J'ai vu, quand j'ai commencé à les manger, j'ai vu 10%, je dis, ah, tu vas voir qu'on va être malade. Alors, fais voir. Heures pour récupérer. Vous avez mangé quelque chose qui vous a rendu très malade. Vous avez fait jusqu'à être soigné, guérir naturellement ou en mourir. Yeah, trop bien. Trop bien. Manquait plus que ça. Manquait plus que ça. Mais il fait froid en plus, très bien. Aïe aïe aïe, je déteste cet endroit. On va laisser ça là. Je déteste cet endroit.
Alors, on va directement dormir. On va prendre ça. Ça nous remettra un peu plus de vie. Faut qu'on dorme au moins 10 heures. On soit bon. Combien de calories, 10 heures? Très bien. Ah là 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 là. Catastrophique. Il y avait écrit quoi, insomnie? Quoi? Risque d'insomnie causé par brouillard étincelant. Vous risquez l'insomnie en passant du temps dans le brouillard étincelant. Traitement, éviter le brouillard étincelant et trouver une zone souterraine pour réduire le risque. What? Quel brouillard étincelant? De quoi tu parles? Waouh, d'accord, ok. Quoi? What the f... What? Oh! Oh! Genre, où est-ce qu'on est à l'abri? Genre, souterrain? Tu te fous de moi? Il n'y a pas de souterrain ici. Ah ouais, d'accord, il y a de l'électricité et tout par terre. Ah merde, j'ai oublié d'enlever ça. Ah mais on est dans la merde, dis-moi. Parce que là, le seul souterrain que je connaisse, c'est... à l'aéroport. Je crois que c'est mort là. Enfin, en tout cas, pour éviter, éviter les problèmes. Il fait combien? Il fait moins 25, t'es sérieux? Non mais je peux même pas retourner à la... Non mais je peux même pas retourner en fait à l'aéroport là, il fait moins 25. Mais dis-moi, mais j'adore cette zone. Déjà qu'on a peu de vie. Elle est où la maison là? Là-bas. Il n'y a rien pour nous protéger? Genre là, est-ce qu'on est protégé? Non. Ah tiens, on peut descendre. Ok, faut qu'on aille se réchauffer. Ok, on peut peut-être descendre par là. Intéressant, c'est la première fois qu'on voit ce brouillard là. Ah putain, avance! Tu vois pas qu'on a froid? Oh la vache. Je suis pas très fan des portes qui se ferment tout seul. Aïe aïe aïe. Ouais, notre vie c'est pas le... C'est pas la joie. Hein. Notre vie c'est pas la joie. Damn it. So hungry. On va devoir manger, je pense. Pour se maintenir en positif. Et on va devoir aller combattre le... L'élan, genre illico presto, honnêtement. Genre rapide. Faut le faire maintenant. Le problème c'est qu'il fait très froid.
C'est jamais facile ici en fait. Jamais facile. Là on l'entend, tu vois. Mouh. Alors, est-ce qu'il y a toujours le brouillard? Ouais. Qu'est-ce qu'on fait? Sortir à moins 25, c'est... C'est pas la meilleure des choses. Je sais pas vraiment... Mais on va devoir faire quelque chose qu'on peut pas... on peut pas tout simplement genre rester comme ça, alors. Puis je voudrais pouvoir... Ça va être chaud. On va dormir une heure histoire de se réchauffer. Et après on va attaquer. Si on a l'insomnie, on fera avec. On gérera avec. Ok, on va faire ça. Mais il faut se réchauffer. Ok, on a l'insomnie, c'est pas grave. Alors ça fait quoi l'insomnie? Alors, votre sommeil est perturbé et votre repos est fréquemment interrompu. Traitement, l'altération mettra entre 12 et 24 heures à se dissiper. Les tisanes peuvent atténuer l'effet d'insomnie. Ah, les tisanes. Genre, quelle tisane? Genre ça? Les trucs qu'on a, qui sont super rares? Ok, merci, sympa. Alors, temps restant, 25 heures, ça marche. Yeah. Alors, dis-moi qui fait un peu mieux. 22 degrés. Moins 22. C'est toujours la merde. Oh. Ok. Nickel. Ça c'est l'entrée de la grotte. Donc on a un passage. Donc on peut peut-être se faire le l'élan facilement. Peut-être. Ah putain. Désolé, je m'énerve. Alors, je sais pas trop comment ça va se régler, l'histoire de rester éveillé, là. Qu'est-ce que ça va faire, du coup? Est-ce qu'on va se réveiller, on va pas pouvoir vraiment se soigner? Honnêtement, c'est pas... on aurait vu pire. Le pire reste quand même, je pense, c'est quand vous mangez de la viande et vous avez les vers, là. Ça dure extrêmement longtemps, ça baisse votre vie maximum, je crois. Je sais plus trop exactement. Non, c'est pas la vie maximum, c'est l'endurance. Je crois bien. Ou les deux, peut-être. Okay. Donc, ouais, extrêmement relou. C'est le pire des pires. T'as un mine cale, garde la porte ouverte. Faut qu'on se réchauffe au max. 10. Ça. On va voir, on va aller voir la gueule du cerf. De l'élan. Si jamais on arrive à se faire l'élan, ça va être cool. On aura la peau, qui est extrêmement utile. Et on aura beaucoup de nourriture aussi. Beaucoup de... Putain. Oh mon dieu, les hitbox. Oh les hitbox. Ah! Reste calme. Reste calme, tu vas t'énerver pour rien. En plus, ils mettent une grotte là, mais apparemment, le brouillard, il passe à travers, ça aussi. Hop.
peu con, je trouve. Ok, on a des barils. Ah ouais, donc on peut vraiment monter par là. Ok, parfait, parfait, parfait. Ok. Nous, on n'est pas là pour ça. On s'en fout, on fouillera plus tard. Eh oh, C'est quoi? Ça fait quoi le bruit d'un caribou, là? D'un élan? Hein? Mou. T'es où? Oh, saloperie! Je peux pas rester à l'infini dehors. Si tu veux me casser les côtes, c'est maintenant. On va devoir re-rentrer pour se réchauffer. Ok, on rentre. Bon, on a quelques trucs à récolter. Strictement rien. Strictement rien d'intéressant. Oh mon dieu, monte. Le seul problème de ne pas pouvoir dormir longtemps, ça serait de ne pas récupérer beaucoup de vie en fait à chaque fois qu'on dorme. Ça, c'est un peu le problème. Et j'avoue que notre vie, elle est déjà assez basse comme ça. Notre vie, elle est déjà bien basse comme ça, donc c'est un peu emmerdant. On va voir, on va essayer de dormir un peu là, tiens. On va essayer de dormir un peu. Can you eat trees? Non, on peut pas manger les arbres. C'est pas faute d'essayer, mais. On a ça. Très bien. On va boire un peu. Dormir. 3 heures. Tiens, 3 heures. On va voir un peu. 3 heures. Réveil en pleine forme. Bon. C'est rien passé. Ouais, non, il s'est rien passé. Ça va. Ça va, ça va. En plus, honnêtement, si on arrive à le... Ah, ça va, il fait un peu plus chaud. Quoique non, en fait. Si on arrive à se le faire, honnêtement, l'endroit est pas si mal pour faire des allers-retours. Pour prendre la viande petit à petit, parce qu'il y aura beaucoup de viande à cuire. Donc honnêtement, c'est cool. Honnêtement, c'est vraiment cool. Faut juste qu'il soit là, quoi. Yes, let's go, let's go, let's go. Oh, eh oh, machin. Ça te dirait de devenir un sac? Bon, attends, par contre, machin... C'est quoi, ça? Putain, c'est plein de loot, t'es sérieux? Par contre, machin, il veut pas... Il veut pas me suivre, normalement. C'est pas comme un ours. Et oh machin! Machine peut-être? Machine! Alors, ça fait un peu loin. Je pourrais me mettre là. En plus, faut se bouger les fesses parce qu'on a froid. Oh là là, catastrophe. Je. Ah!
Ah, machine, elle a... machine, il a pas apprécié, peut-être. Bah, c'est un mal, normalement, hein, on est d'accord. Peut-être machine, ouais, ça me plaît pas. Hein. Oh, machine. Death from above, tu connais? Alors. Ok. Oh la vache, on lui a fait peur. Putain, j'ai bien... Ça va. Ça va. La deuxième, elle est tombée vraiment à côté. On était en train de quadriller son... son emplacement. Elle est où la deuxième flèche? Elle est là. Ok, excusez-moi, ma gorge qui commence à partir. Ça, ça doit être le cadavre qu'on avait vu sur la carte. Bon, machine, va falloir... falloir y aller, hein. Oui, 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 oui. Oui, oui. Machine! Machine! Merde! Machine, reviens! Machine, va pas sur les loups! Vas-y, ramène-toi! Vas-y, machine! T'as des flèches, elles m'appartiennent. Merde. Ok, on en a plus qu'une. Vas-y, machine. Voilà, comme ça qu'on... comme ça qu'on fait. Bien joué, on va prendre, on va récupérer la, la flèche. On va se faire aggro par des loups aussi. Ok, on est bon. Ouh, eh ben. Bon, t'es en plein milieu du truc par contre, ça c'est très très relou. Hein. Eh, vous avez eu peur ou pas? Vous avez eu peur ou pas? Là, vous avez vu, j'ai pas bougé et tout. Ah, il est mort, il est mort, il va mourir, il va mourir. Ah bah non, eh bah non. Eh bah non, c'est tout dans la confiance. Confiance en soi. La flèche, c'était la flèche magique. C'était ma dernière flèche en plus, je crois. Je suis pas sûr. Je suis pas certain que ce soit ma dernière flèche. Mon avant-dernière, je crois. Parce qu'on en avait une de réserve. Mais bon. On a bien joué. On a bien joué. On serait mort, hein, honnêtement. On serait mort. S'il nous avait chargé... il nous avait touché, je pense qu'on serait mort. Mais bon, des fois, il faut un peu jouer. Là, de toute façon, là, il faut prendre des têtes. Il faut comment dire. Je sais pas quel mot je vais employer. Il faut tenter pour éviter de mourir. Bon, en tout cas, on va s'arrêter là parce qu'il faut que on aille découper et tout ça. Je sais que c'est un épisode un peu court, mais je vais pas pouvoir en fait me concentrer et jouer très longtemps. Donc, ça va être un épisode un peu court cette fois. Et la prochaine fois, on va tout découper. On va peut-être faire des sacs et les ramener ici. Et après, on les dépecera ici.
Je suis pas encore certain, on verra ce qu'on fait. Il faut qu'on récupère du bois et qu'on aille faire un feu aussi. Ah non, bah si, on fera un feu à côté en fait. J'espère qu'il n'y aura pas de vent. Et comme ça, on fait cuire en même temps. Ouais, on fait cuire pendant qu'on dépose en fait. Il faut absolument récupérer la peau. Comme ça, on fait un sac. Et bah, du coup, après, on sera bloqué là pendant 12 jours, je pense. Et on fera le sac et on sortira avec le sac. À la prochaine, merci beaucoup d'avoir regardé. Je suis content, c'est bien passé. On a découvert un nouveau problème aussi, l'insomnie, on verra ce que ça fait. Ciao!